Prévenu ici au Tchad où le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Assaïd Gamar Silek, accompagné de son staff, a visité cet après-midi le barrage hydro-agricole du groupement agro-pastoral Solidarité de Kabé au sud de N'Djamena. Objectif, s'enquérir du mode de travail de ce groupement et encourager les membres. Moussa Mbodo Abdoulaye. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles encourage la diversification de l'économie nationale. C'est dans cette perspective que le chef de ce département ministériel, Assaïd Gamar Silek, a visité le barrage hydro-agricole du groupement agro-pastoral Solidarité de Kabé. Il est étendu sur une superficie de 400 hectares. Ce groupement entend, à travers ses aménagements, accompagner le développement du monde rural. Ahmad Kossi, le promoteur du groupement agro-pastoral Solidarité de Kabé, situe les objectifs. C'est d'améliorer, ou bien je ne sais pas, augmenter le revenu des membres du groupement et contribuer à la sécurité alimentaire et la capacité de produire plus. Pour le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Assaïd Gamar Silek, la volonté et la détermination des membres du groupement Solidarité de Kabé sont encouragés. Le constat que j'ai fait, c'est qu'ils ont un potentiel d'à peu près 1000 hectares. Sur ce site, si ces amis sont appuyés suffisamment, je pense qu'ils peuvent couvrir énormément les besoins de la capitale en matière de produits maraîchers. Créé il y a de cela 19 ans, le groupement agro-pastoral Solidarité de Kabé est engagé résolument au développement du monde rural.